Ça y est, ils sont arrivés. Ok, passons aux choses sérieuses. Numéro
1946 avancé. Numéro 3 avancé. Le numéro 001 avancé. Très bien, les votes sont terminés. On va voir au tableau le nombre de votes qu'il y a eu. Attention. Il y a la majorité qui veulent partir. Suivez mes collègues, ils vont vous ramener au camion. Et bonne chance pour la suite. Et ceux qui sont restés, vous avez bien fait. Alors je me présente, je suis le chef. Le carré, c'est le chef. Et vous devez m'obéir à tout ce que je vais vous dire. Suivez-moi, s'il vous plaît. Attention, toi. Ne bouge pas. Attention. Arrête de bouger ton collègue, s'il te plaît. Arrête. Une bagarre qui éclate. Je le fume avec ma mitraillette. Attention. Nous allons commencer par le premier jeu. Le 1, 2, 3 soleil. Le 1, 2, 3 soleil. Vous avez 2 minutes pour arriver à destination. Vous voyez la poupée qui est en face. Elle va compter 1, 2, 3 soleil. Et quand elle dit 1, 2, 3 soleil, vous vous arrêtez. Et celui qui bouge, une patte dans la tête, tout simplement. Oui, oui, vous avez bien entendu. On va commencer. C'est parti. 1, 2, 3, let's go. Allez-y, courez. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, soleil. Très bien. Tous les gagnants qui sont participé, 1, 2, 3 soleil, rendez-vous vers la porte. Et les autres pays sont morts. Vous voyez comment je fonctionne? Eh bien, c'est tout simple. Il y en a un qui réussit pas l'épreuve, je le tue. Nous allons participer au deuxième jeu. Alors, avancez vers mon collègue, il va vous donner une petite boîte. Et dans cette boîte se trouvera un gâteau. Un gâteau en forme de triangle parapluie carré rond. La règle est très simple. Il faut tout simplement, avec l'aiguille qu'il y a dans la boîte, faire le tour du symbole sans casser l'intérieur du gâteau. Si vous avez le malheur de casser l'intérieur du gâteau, je vous mets une patte dans la tête. Ah, vous avez décidé de rester, c'est comme ça. On peut plus faire marche arrière. Allez voir mon collègue qui va vous donner une boîte. Ouvrez la boîte. Vous avez 2 minutes pour faire le tour du gâteau. Et attention, celui qui casse le à l'intérieur du gâteau, une patte dans la tête, tout simplement. Allez, c'est parti, commençons. Et bonne chance à tous.
joueur numéro 406 éliminé. Tu veux casser toi aussi. Joueur 310 éliminé. Toi, tu peux aller à la porte. Va suivre mon collègue, il va te donner un dortoir. Bravo pour le jeu. T'as cassé toi aussi. Désolé, c'est la règle du jeu. Tu peux y aller, vas-y. Et plus vite que ça, et sans bousculade. Tu l'as cassé. C'est bien. Allez suivre mon collègue. Il va vous emmener au dortoir. Il reste que deux joueurs. Les deux joueurs qui restent, félicitations, vous avez remporté le jeu. Allez suivre mon collègue. Il va vous emmener vers le dortoir. Et à demain pour le prochain jeu. Dormez bien. Et ne vous en faites pas, le prochain jeu sera très rude. Alors réfléchissez-y. Alors écoutez-moi bien. Tous les joueurs restants qui ont remporté l'épreuve, je vous félicite. Ça n'a pas été très facile. Ah, je suis un monstre, c'est ça. Je ne suis pas un monstre. Vous voulez gagner la somme d'argent? Faites ce que je vous dis. Et à la fin, vous allez ressortir du jeu millionnaire. Alors écoutez-moi bien. Les deux premiers jeux sont terminés. Je peux pas vous dire pour changer ce que c'est. Désolé, c'est la règle. Alors écoutez-moi bien. Les deux premiers jeux sont terminés. Là, il faut dormir. Vous avez été très courageux. Demain, je vous annonce une épreuve très rude, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors réfléchissez à quel jeu on pourrait faire. Et ne faites pas de bagarre ce soir. Dormez tranquillement et vous verrez demain le prochain jeu. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? D'accord, très bien. Alors je vous dis à tous les participants, bonne nuit à tous et à demain pour une nouvelle journée. À demain. On peut y aller, venez. C'est vrai, t'aurais dû me donner un costume plus grand. Il est petit celui-là, il est trop serré. Regarde, je peux même pas le fermer. Le masque, ça va, il est un peu trop petit, mais ça va. Mais bon, est-ce que je me suis sorti ce soir? Ouais. Ouais, je suis nouveau ici, alors on m'a appelé justement pour faire le Squid Game. Ouais, c'est pas mal, hein. Par contre, cette arme, elle est assez légère. Elle est pas lourde. Bon, de toute façon, tu me diras, ça m'arrange. Allez, on va tous se coucher. Parce que je suis fatigué, là. D'accord, très bien. Bon, bah, les gars, à demain.